Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Earth of Iron 4 avec mon camarade Serikai. Bonjour tout le monde. Désolé, je buvais un coup d'eau. Donc là, ce qu'on a fait, j'ai modifié mes ordres, je vais encercler Téhéran, je vais prendre le reste du pays. Et voilà, j'ai mon espion qui est arrivé, j'ai recruté, je l'ai affecté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2-3 petits trucs off, mais bon, 2-3 actions. Bon. Ouais, le but là, c'est qu'en fait, j'évite, je le coupe en deux. Voilà. Voilà, comme ça, on va le prendre. Ce que je vais faire en fait, c'est que ce truc-là, c'est qu'en prenant comme ça, je coupe Téhéran, qui est sa capitale, ça fait que ça coupe ses sources d'approvisionnement. Voilà. Ok. Donc, les 9 divisions ici, on les prend. Non, on va plutôt prendre. Il y en a combien ici? Il y en a 3. Ouais, bon, on va donner l'ordre d'assaut à De Gaulle. Pourquoi il les fait pas? Ouais, parce que les troupes se déplacent. Là, on va approcher, on va taper un peu. Ceux-là, on va les envoyer là-bas plutôt. Ouais, je vais vraiment encercler Téhéran et je vais éliminer toutes les troupes qui sont dans la poche. Ah, mais ils sont en train d'avancer là-bas, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'ils étaient en train de passer au sud. Ok. Lui, il va aller là-bas. Voilà, comme ça je coupe ça et j'isole. Ouais, voilà, ils peuvent pas tenir. Et une fois que c'est refermé, la nasse, je vais repousser. Non, lui, il est tout seul, il se branle les couilles. Une cible disponible, parfait. On va construire d'autres bâtiments. Voilà, là-bas. Ça dit quoi au sud? Ça dit que. Ouais, ça dit qu'on est plutôt pas mal. Non, toi, va là-bas. Putain, on va prendre les points de victoire. Commencer. Intégration globale. Ouais, très bien ça. Bon. Usine militaire. On va se rapprocher du Danemark pour les influencer de plus en plus. Ouais, ça peut être pas mal ça. Alors, le Danemark, la Norvège et la Suède en plus qui rappliquent dans la faction. Ah, extrêmement intéressant. Les pousser par là-bas. Allez, 75% de capitulation pour l'Iran. Ou flûter Iran. Moi, ce plaisir. Ouais, j'allais prendre Téhéran là au moins. On va finir tout ça. Après, je les ai épuisants là, techniquement. Ouais, voilà, comme j'ai coupé la capitale, les mecs ils sont
Ils sont en manque d'appro. En bas. Donc en bas, je les... Au mieux. Et bouffer. Je les bouffe tranquillement. C'est quoi cette histoire là? Nous sommes en guerre. Mais comment ça se fait que j'ai tout ça Ah non, c'est l'Irak, ouais. Je veux dire, c'est quoi ce pays à la con? Bah, c'est l'Irak. L'Irak qui participe à la guerre en mode à la cool. Allez, un petit closer support. J'éclaire la guerre à l'URSS. Hein? J'éclaire la guerre à l'URSS maintenant ou j'attends? Bon, toi, si tu veux y aller, vas-y, hein. Après, je te dis techniquement, moi, je suis... Tiens, on va prendre ça. Ah, là, j'ai pris ça. Ah, elle a pas une agression, ces bâtards. Oh, le coupe. Bon, allez, hop, on va faire tomber Téhéran. Histoire d'être un peu plus efficace. Non, quoi, en 42, on met 42, arme anti-char. Le chasseur, j'en fais 15. Combat rapproché. Ah, combat rapproché, ça peut être bien. Je vais attendre qu'ils passent là-bas, comme ça je coupe. Et là, je coupe 6 unités et demie. Ils y arrivent quand, eux? 2 jours et 13 heures. Téhéran. Maintenant il arrive lui. Ok, ça s'est pris. Voilà, on va taper là-bas. Ouais, c'est bon, voilà. Je vais défoncer ces deux unités. Et merde, j'ai encore trop d'usines militaires. Allez, on va faire encore du fusil. Capitulation de l'Iran. Voilà, grande nouvelle. Capitulation de l'Iran. Ok, donc, nous disions donc, l'Iran... Antoche. Ah, je peux avoir... Je peux faire le Kurdistan. Ah, oh, ça, on va faire plaisir à certains. On va rendre le Kurdistan, l'Azerbaïdjan et un état fantoche. Sachant également que il y a des morceaux de Kurdistan en Turquie et en Irak. Hop, on prend tout ça. Et ensuite, pour le Kurdistan... Il est où mon Kurdistan? Ah, il y a le Kurdistan. Ah, j'ai pas pu faire... On va faire un état fantoche. Voilà, et je pense que c'est bon. Voilà, nouvel empire perse et devient un état fantoche. Voilà, j'ai deux états fantoches. Ok, donc là, l'Union soviétique s'empare de la Bessarabie. Pourquoi tu les as appelés dans ta guerre? J'ai pas appelé, c'est juste c'est une de leurs priorités et les autres sont chissus. Que bande de tocards. Ouais, je confirme. Hein. Voyons, donc là, est-ce que. Merde. Alors je suis en train de placer De Gaulle là pour là-bas. Excavation de très bien. Donc là. L'aérien, doctrine aérienne. Appui. Je crois que c'est l'appui aérien qu'il faut que je prenne, je crois, pour booster les casses. Ouais. Non, j'ai un doute. Les bombardes tactiques, non. Ah si, c'est ça. On va chercher comme ça. Là, on est bon. Usine militaire. Putain, encore des usines. Donc, quoi, on va faire du. Allez. 25 usines. Il appuie à rien. 20 usines. Ok. De Gaulle, il est en train de se placer là-bas. Ma deuxième 24 unité, elle est là. On la met en ligne de front. Là. On dégage. Non, putain, il est où lui?
On met ses troupes là-bas. Je peux laisser mes troupes sur la frontière russe. Ouais. Comme ça, on va pouvoir y aller. Là, ok. Je vais prendre pour le Caucase. À traverser le Caucase, j'ai... Les motorisés, ça irait bien. Là, De Gaulle. Merde. Hop, De Gaulle, on le met là. De Gaulle, je vais le faire affront avancer, mais. Le problème, c'est que De Gaulle, j'ai envie de le faire monter jusqu'à l'Oural, mais c'est des territoires de merde. C'est ça qui m'emmerde. Alors, comme ça ici. Et là J'ai marre que ici. le Rital donne des troupes pour aider les Japonais là. Maintenant qu'on est en guerre, il arrêtera un petit peu. Et tout le monde qui dit, on va taper le Japonais. Bah, allez taper le Japonais si vous voulez. Et je ne veux pas annuler le pacte d'agression parce qu'il faut que nous ayons plus de division à la frontière. Lui, Chiant c'est 11 système. divisions, je les mets là-bas en attente. On dégage ça. Ok. Ouais, mais les réserves de carburant sont pleines. Demande de l'Italie. Non, je ne rejoins personne. J'attends que mon pote l'Allemand m'appelle. J'attends que mes troupes soient en place. Que les plans soient prêts. Que les approches logistiques soient bons. Parce que. Téhéran. Comment ça, Téhéran, il n'y a pas de ressources? C'est l'infrastructure locale qui gêne à Téhéran. Donc là, construction. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça, priorité absolue. Khorasan, Téhéran et Seman. Voilà. Et là, ici aussi, construction, infrastructure. Tabriz et le Kurdistan. Ouais, parce que si je me retrouve comme un con sans ressources. Ok, bon, c'est en train de monter. Les ressources, on dit quoi? Ma chasse. Ouais, je crois que la chasse, elle suit dans les aéroports pour le soutien logistique. Mais là, le problème, c'est que c'est le tiers-monde là-bas, niveau logistique Littéralement. en Russie. C'est vrai qu'il a fallu du chasse au lot. Bon, c'est pas grave. On verra plus tard. Ouais, moi, De Gaulle, il est chaud comme la braise. Il me fait, vas-y, défonce-les. Le problème, c'est Attends, je que crois. là, je peux pas y... parce qu'il faut que je brise le pacte d'agression. Et pour briser le pacte d'agression, il faudrait que j'équivale à 200% de leur division. J'ai deux fois plus de division que eux sur la frontière. À qui? Avec la Russie? Avec le soviet. Ah, d'accord. Après, 100% si je dois briser le pacte entre 19 et 24 mois, et 50% entre 25 et 30 mois. C'est extrêmement chiant, c'est extrêmement débile également. Mais non. Bombardier naval, non. Bon, moi, je croyais que t'étais en guerre, donc je me disais vite, faut aller vite, mais en fait, non, donc t'as le temps, quoi. Par contre. On fera comme on l'a dit. Tu déclares la guerre. Ah bah oui. On attend un petit peu de temps. Et une fois que le temps est passé, bing, je déclare la guerre une fois qu'il a tiré de l'autre côté. Tiens, pense ça, j'ai regardé. Voilà, donc à ce moment-là, c'est-à-dire que mes troupes, eux, ils sont entraînés. De Gaulle, il y a des troupes entraînées. Lui, il est au taquet. Lui, on va l'entraîner. Et lui, je vais recruter des. 21 divisions. Elles, on peut pas les. Non. L'usine militaire. Bien. Investir. Ah, la Voilà. Turquie intègre l'axe. Domination aérienne. Au Danemark. Ok, ça. Capturer le J'ai code. capturé les soviétiques, parfait. J'ai encore eu un forfait voyelle chez toi.
Lui et lui. Préparé, hop, allez, le code américain. Dans les usines. De quoi j'ai besoin? Suis en train de me dire, je pourrais peut-être commencer à me pencher sur les blindés. Oui, tu pourrais, je pense. Non, j'ai recruté. Il a quoi? C'est la coloniale, je crois. Ouais, j'ai recruté la coloniale. Non, pas 24, j'en ai. Il m'en faut 14. Offert. Les divisions. On va stocker. Concepteur de manœuvre, vitesse de recherche artillerie. Voilà, on va chercher ça. Tu me préviens un peu avant pour quand tu vas déclarer la guerre. Ah oui. Que je me prépare. Ou de toute façon, non, tu déclares quand tu veux, moi j'arrive quand je suis prêt, quoi. Bien, c'est que dans ouais, briser le pacte. Dans le Caucase, tu sais combien j'ai de troupes russes face à moi? Non. 47 divisions. Ah, t'as bien renforcé. Non mais t'inquiète, toi tu vas déclarer la guerre, tu vas voir comme il va dégager. Mais attends. Je vais mettre une petite base aérienne. Ah, il y a une base aérienne à Téhéran. Ouais, j'en mets une à Tabriz aussi. Téhéran, Tabriz. Je vais mettre un radar aussi. En Vas-y. Gilan, histoire d'avoir. Ah putain, j'ai pas recherché le radar. Ah ouais, d'accord, usine utilisée française, ouais, la Perse, les usines trop chères pour lui. Les Américains, qu'est-ce qu'ils font, ces crétins? Qu'est-ce qu'ils font les Américains? Pourquoi est-ce qu'ils ne bougent pas un peu plus pour débarquer contre les Japonais? Des Américains. Mais quand même! Putain, c'est une musique, faut que je la retrouve à propos des Américains. C'est un espèce de bon refrain rock. Tu sais, entre guillemets, américain, mais bien bourrin, quoi. Qui te montre vraiment le. Ah, faut que je la retrouve. J'ai même pas le rythme en tête, ça qui est chiant. Ils ont annexé le Thanatos. Ils ont annexé l'autre? Ouais, le Quel bande Tenutuva, d'enculés. ouais. Je t'aime quoi? Mais exactement. C'est ça. Ah, pour les gens, c'est cette merde ici. Bon, tout le monde se fout. Entre la Mongolie et rien du tout. Entre la Voilà. Mongolie et la Russie. Je sais plus ce que c'était l'histoire historiquement. Que ça, pourquoi, en fait, je sais plus pourquoi c'était écrit. Je crois que c'était une autre culture et ils s'étaient dit ça va être le bordel. On va leur laisser une indépendance comme ça, ils vont pas nous emmerder. Ouais, c'est une république soviétique en carton pâte qui s'est créée à la faveur de la décomposition de l'Empire russe. Et face au chaos total, vu que c'était reconnu par personne dans le monde, à part par l'URSS, ils se sont dit, bon bah, fuck it, on annexe. Ok, les troupes de Gaulle sont bonnes. En tout cas, le Japon, si il se bat, il est occupé chez toi en Papouasie. Ah, En les enfin, États-Unis ont. Papouasie, en Malaisie. J'ai dit une connerie. Les États-Unis ont bel et bien débarqué dans le nord du Japon. Ah. Ah, à Hokkaido, hein. Que j'en voyais, hein. J'étais mauvaise langue, vous m'excuserez. Et je vais stacker à mort des divisions en masse à la frontière du Soviet.
Pour l'instant, je stocke 107% de leur division à la frontière. Et je ne peux rompre le pacte avec ce chiffre que entre 19 et 24 mois après sa signature. Et c'est quand là c'est quand c'est la Pologne? Ouais, c'est ça. Je sais que je suis entre 13 et 18 mois pour l'instant, mais où dans le délai? Mais après, ouais, je peux pas lui déclarer la guerre. Pourquoi? Ah merde, ouais, parce que ok. Est-ce qu'on peut voir qui ils garantissent? Le russe améliore ses relations avec toi. Une blague. Si, non. Les volontaires de l'Union soviétique sont dans d'autres pays. En Xibei, au Shaanxi, bah oui. En Chine communiste, en clique de Xiangxi et en Chine. Donc tout le Japon, quoi. Exactement. La Mongolie et l'Union soviétique. Bon, au moins, ça permet de préparer nos troupes. Moi, hop, allez, hop, on déploie les divisions. Les 14, elles sont là. On les affecte là-bas. Elles vont prendre le barato. Ensuite, j'ai recruté de la garnison. 72, donc j'ai recruté une cinquantaine. On va essayer de faire capituler le Siam. Oh, l'américain qui avance comme un sauvage. Il va te sortir le japonais, ça va être très très beau à voir ça. Quoi ça? Ah, le Japon t'a fait un petit peu trop d'ennemis. Et le pire c'est que j'ai vu que je suis dans la guerre. Est-ce que j'aurai du score de guerre? Je pense pas. T'as combien d'usines toi actuellement? 423. Oh putain. J'en produis plus, bon, pour l'instant, je suis en train de produire de l'infrastructure. 392, ouais, moi je suis en train de développer mes colonies, là tu m'étonnes qu'ils kiffent les mecs. Je suis en train de produire Semnan, Tabriz, Téhéran, Mossoul, c'est-à-dire que je suis en train de développer mes infrastructures logistiques au nord de l'Inde. Au nord du... En Sindh, c'est où Sindh? Unité de combat règlement, régiment. Hop. C'est où le Sindh? Parce que c'est là-bas que ça bloque. Le Sindh, c'est en Inde, ça, cette connerie? Ouais. Ah, ça passe par là-bas? Le Rajé. Pourquoi ça passe par chez toi, là? Ils me font chier. J'ai plutôt... Ah, mon petit char. Ouais, on est en septembre 42. Bon, on va chercher à parler de visée nocturne. J'ai plutôt à ce moment développé ma base navale. À Fars, ouais. On va faire ça. La Pologne n'est pas contente. Qu'est-ce qu'elle veut, la Pologne? Oh, je suis en police secrète. Attends, on va lui mettre un gouverneur militaire. On va la calmer. Cinq. Voilà. Hop. On fait d'abord ça. Ensuite, oui, la résistance. C'en était où? Carte de résistance. Le Québec, ouais, ça est en train de disparaître. La Belgique, ouais, les mecs y reviennent un petit peu, mais bon. 65% de niveau d'accommodement, donc c'est pas mal. Ça continue de monter. Niveau de résistance, valeur de base. Point de victoire de l'État. Déclin de la résistance, ouais, la résistance est en train de baisser là-bas, donc c'est bon. 1% valeur de base, ouais, nickel. Pourquoi il y a du déclin de résistance? Je comprenne le truc. Valeur de base, ouais, revendication de pécontraire, ouais, résistance faible. D'accord. Et ça, le l'accommodement monte. Ok, bon, bah, c'est une bonne chose. T'as des espions en Russie? Oui. Le code est décrypté. Ah bien, ça. Bon, quand est-ce que je pourrais le déployer, lui? Ouais. Est-ce qu'il y a une date? Le 12 janvier 43, ouais, ils en ont fini depuis longtemps. Est-ce qu'on peut
dans mes dépendances, modifier le... Dire, par exemple, l'Angleterre, fais-moi telle unité. Il y a quelques alliés, demander des troupes. Non, renforcer notre garnison. Ouais, tiens, l'Angleterre, il veut pas. 397 usines. J'ai pas construit d'usine, mais ça grossit. Au fur et à mesure que mes dépendances font leur... qu'elles conduisent leur tableau, bah, automatiquement, ça disparaît, quoi. Partie radicale, faut les faire disparaître. Ah oui, développer une mine de fer au Québec. Domination aérienne, ça c'est bien, les doctrines aériennes. Ah non, prioriser l'appui aérien, voilà, ouais, c'est exactement ça. Exactement ce que je voulais. Mesure contre les démocrates. Et comment je fais pour intégrer le parti démocrate ? Soutien ferme pour le parti radical. Ah. La chute de Tokyo. Ah ben, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Il m'a fait pour la gueule. Démantèlement de la ligne Maginot. Ouais, ça pourrait être jouable, ça. Le Japon, il est mal, il est mal. Ah ben là. Donc, hop. Est-ce que j'ai pensé... Ouais, c'est bon, j'ai pensé à lancer le timer, parce que me connaissant... Nouvel Empire Perse, ça c'est bien. Alors, faut m'expliquer ce que foutait cet espion néo-zélandais chez moi. Je n'ai pas tout à fait compris. Hein. Bah lui non plus. En tout cas, développement des doctrines. Ah ouais, il est en train de monter son arbre. Développement de l'armée de terre, développement des doctrines. Ah bien. Nouvel Empire. Ah ouais, sérieux, la gueule de l'Axe. C'est... Ça fait quand même peur. Entre nos Regarde l'Axe, ce que ça représente. Ouais, j'ai vu. La Turquie, elle était pas rentrée dans l'Axe ? Ici. Elle y est pas. Ah bon ? Quoi ça fait ? Ouais, je sais pas, elle est pas dans l'Axe. Ouais. Y a pas une histoire que tu peux pas l'inviter toi dans l'Axe ? Alors pour l'inviter, il faut qu'il ait au moins 30% de fascistes chez lui. Et en plus, il a le malus de neutralité kémaliste. Quelle connerie. Ah merde. Moi, ce que je te propose comme objectif de guerre, c'est le monde dans l'Axe. Ouais. Ce qui va être chiant, c'est les pays à la con, la Brésil, l'Argentine, tout ça. Ouais. Les Américains, 12% les fascistes. Essaye de voir pour les invités dans l'Axe, lui, il dit quoi ? Non, il faut d'abord que... On n'a pas une idéologie, déjà. En plus, il est hostile. Je préfère rejoindre les alliés. Voilà. Moins 1648 de raisons négatives. Ah ouais, c'est tendu de l'avoir diplomatiquement. Bah, on va faire un petit coup d'état, on va préparer le truc. Et quand est-ce qu'on peut faire théoriquement la guerre contre le russe ? Eh bien, il faut que j'annule pas d'agression. Et je te dis, c'est dans... Au minimum, dans 6 mois, ce sera fait. Hein. Ouais, moi c'est bien, moi j'en profite, hein. Je développe mes pays, construction. J'aime bien, nous devrions approfondir notre amitié historique avec la Chine. Ça suscitera certes l'animosité du Japon, mais qu'est-ce que le Japon sinon l'Italie d'Extrême-Orient? C'est quoi ce truc-là? Quand d'un côté se rapprocher de la Chine... Eh bien, qu'est-ce que le Japon sinon l'Italie d'Extrême-Orient ? Je peux pas dire, il y a un scud là. Hop, allez, on fait. Non, je vais pas faire de l'usine civile, je suis con, j'en ai déjà plein. Bon, on va faire des raffineries. Voilà, au moins ça occupe les usines civiles. 403 usines, maintenant. Ah, il avait 47 divisions sur ma frontière, il n'en a plus que 39. Après, il en a mis un peu en... Mais par contre, mes deux généraux, l'autre, il a deux fois plus de divisions que moi. Tu demandes à mon général, t'en penses quoi de là-bas ? Il me dit, on va le défoncer dans le Caucase. Ok, je valide. C'est bien. L'Américain continue à percer le Japonais. De Gaulle, il a un trait, mais je peux pas l'utiliser.
Leclerc. Ouais, il va vraiment falloir que je me penche un peu sur ces conneries de... Ah, c'est perdu une oreille. Il va falloir que je me penche sur ces... les divisions blindées, quoi, après tout. Guerriero, vitesse d'entanchement, non. Non, charismatique, allez, hop. Hop, hop, et on a eu le Tungdu, donc on met en pause. On va s'arrêter là, les gens, pour cet épisode. On vous dit donc bye bye, et ben voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, commenter, mettre des avis, poser des commentaires. Après, il faudrait qu'on fasse aussi, tu sais, les techniques serrées un peu putaclic. Tu sais, genre, poser une question ou demander une participation des membres, tu sais, mettez dans les commentaires, tu sais, le truc qui a la con qui fait que ça met des commentaires. Ah oui. Donc, on pense à ces techniques de putaclic. Non, ça, plus ouais. Sérieusement, les commentaires, les likes, les... Ça aide pour le référencement de la vidéo. Après, j'irais bien gagner des thunes, mais je crois que, comme on disait, sur les... la dernière semaine, je crois que ça représente 89 centimes de gain. Donc en fait, comme je disais en rigolant, ce qu'on gagne sur YouTube, ça paye même pas l'électricité qu'on utilise pour jouer. C'est ça. Donc voilà, sur ce, mais on s'en fout, on fait pas ça pour le fric. Hein. Donc voilà, on fait ça pour que ça vous plaise, pour que ça vous détende, tout ça, donc voilà. N'hésitez pas donc, à liker, laisser votre avis, tout ça, tout ça. Sur ce, les gens, on vous dit bye bye et on se retrouvera demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde. Au revoir tout le monde.